Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 94 et 95 de cette 2 chevaux spot. Donc, nos pièces, la glace de la portière arrière droite avec son petit joint. Voilà, donc on va venir tout simplement, mais alors vraiment rapidement, le mettre en place. Avec voilà notre résultat final. Bon, et puis comme il n'y a pas grand chose à faire sur ces deux numéros, j'ai préféré les regrouper. Donc le montant de la porte droite, donc le côté intérieur, on va venir le mettre en place comme ceci. Et puis, sur ce numéro, on va venir mettre cette deuxième porte arrière. Voilà, on n'aura toujours pas nos portes avant, mais on aura au moins les deux portes arrière. Voilà. Allez, on va passer au montage. Donc, première étape, on vient récupérer notre portière, on va venir donc de l'extérieur vers l'intérieur positionner donc ce joint de façon à ce que les petites encoches se positionnent bien sur le montant de cette fenêtre. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et puis écoutez, hein, pas grand chose, vraiment pas grand chose à faire sur celui-là. Hein. On va venir positionner notre vitre comme ceci. Voilà, on la met bien en place au fond. Voilà, bon, et ben voilà ce que ça donne. Allez, on va passer au numéro 95. Donc pièce de notre numéro 95 que l'on va venir positionner donc comme ceci, donc, juste ici. Et puis ici, ici et ici, on va venir fixer le tout avec nos vis DS20. Donc une fois que c'est fait, hop, on va venir récupérer notre carrosserie. Alors hop, les ceintures me gênent un peu. Et on va venir, alors hop, comment je vais vous faire voir ça? Ouais, juste comme ça, hop, on va relever un peu. On avait vu ça sur la portière gauche, mais on va venir faire pareil avec cette portière droite. On va venir la mettre en place comme ceci. Et puis, donc, alors, il s'agit de bien positionner le tout. Et on va venir mettre trois vis. Voilà. Trois vis DS20, donc juste ici au niveau de la charnière. J'ai un petit souci avec ma portière, je m'en doutais. Ouais, ça va être galère, je crois. Ouais, bon, je vais régler ça après. Donc voici qui est fait. Et écoutez, hein, elle est à peu près fonctionnelle, hein, celle-là. Ouais, ça va. J'arrive à l'ouvrir, à la refermer. Ah tiens, c'est le principal. Voilà. Bon, et ben écoutez, on a notre deuxième portière d'installer. Il nous reste pas mal d'étapes, hein, à réaliser sur cette fabuleuse collection. Franchement, j'adore. En plus, c'est un modèle au 1/6e. Ça nous donne vraiment. Hop, je vais vous la mettre. Comme ceci, vraiment un très beau modèle. Dans quelques numéros, on essaiera de refaire un petit assemblage à blanc de tout ce qu'on a et voir ce que ça donne. Voilà, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis ciao.